Mais nous étions heureux d'avoir remporté cette formidable victoire. Formidable victoire contre tous les médias, contre tous les puissants, contre tous les intelligents du pays qui nous expliquaient qu'évidemment, pour ce référendum, nous avions le choix entre le oui et le oui. Et nous avons gagné. Nous avons gagné parce que dans cette campagne unitaire de 2005, nous avons mis la force de nos convictions, notre détermination à porter haut et fort les valeurs qui sont les nôtres. Et aujourd'hui, ce soir, nous allons le redire chacun à notre manière. Et c'est important parce que ce vote du 29 mai 2005 est un vote populaire, un vote de classe, un vote fondateur. Et c'est dans la fidélité à ce vote que, oui, ce soir, comme dans toutes les réunions qui sont organisées en même temps, nous disons, pour nous, c'est toujours. C'est non à cette Europe forteresse, effectivement, et à sa directive de la honte qui engendre des drames immenses dans la Méditerranée et dans l'Atlantique. C'est non à cette Europe qui n'a pas été capable de s'opposer à l'agression israélienne à Gaza qui est affichée d'un côté. C'est non à cette Europe qui a pour seul projet que l'achèvement du marché intérieur et pour seul horizon en 2015 que la création d'un marché encore plus vaste encore entre l'Union européenne et les États-Unis, appelé grand marché, grand attendu. Bref, pour nous, c'est toujours non à cette Europe du capital que nous allons massivement sanctionner le 7 juin. Je peux dire aussi avec votre fierté, cette Europe que nous refusons, c'est une Europe qui est co-gérée depuis des décennies par la droite et par la social-démocratie qui ont rédigé ensemble tous les textes. À la fin du scrutin, et évidemment parce qu'ils ne veulent pas assumer ce fiasco général, l'UMP, le PS, je n'oublie pas le Modem et les Verts, nous expliquent tous, sans vergogne, qu'ils veulent changer d'ordre. Quelle confidence! Quelle imposture! Car c'est une imposture que de prétendre changer d'Europe et que d'approuver en même temps le traité de Lisbonne pour qu'il est donné une compétence qui est de la loi. Un traité de Lisbonne, je le rappelle, qui exclut toute restriction à la liberté totale de circulation des capitaux. Un traité de Lisbonne qui interdit toute harmonisation sociale qui empêche toute planification écologique qui consacre l'indépendance de la Banque centrale européenne et qui place définitivement l'Europe sous tutelle des États-Unis. Bref, changer d'Europe, c'est d'abord refuser la ratification du traité de Lisbonne et la ratification dans le fond des peuples et qui se fait même en bafouant, en piétinant la souveraineté des peuples qui se sont déjà exprimés. L'honneur de la France, l'honneur de la République, et c'est ce que nous allons dire aussi dans notre vote du 7 juin, c'est que la France retire sa signature du traité des peuples. Payer la facture d'une crise qui n'est pas la leur. C'est le
réalité une double impasse. Celle du renoncement social libéral et celle de l'isolement protestataire. Ces deux impasses nous mettent au quotidien assurément à l'impuissance politique. Le choix du Franco, c'est le choix de l'unité, du rassemblement sur une ligne politique claire, de rupture anti-libérale et anti-capitaliste. Yeah, thanks.